Samedi 9 novembre 2024, le ministère des Affaires étrangères à N'Djamena a accueilli le lancement officiel du projet Suède Plus, une initiative pour l'autonomisation des femmes et l'exploitation du dividende démographique en Afrique subsaharienne qui s'étend désormais dans 17 provinces du Tchad. Le projet Suède Plus met en avant des thématiques cruciales pour le développement socio-économique, inclusion économique des femmes, accès des adolescentes aux soins de santé reproductive, maintien des filles à l'école et prévention des violences basées sur le genre. L'objectif du développement de ces projets Souhaite Plus est d'accroître l'autonomisation des femmes et de jeunes filles, ainsi à leur accès aux services de qualité en matière de santé de reproduction maternelle, néonatale, infantile, aux adolescentes âgées de 15 ans et plus dans la zone, dans les pays participants, et afin d'améliorer l'apprentissage par les pairs et le renforcement de capacité et la coordination au niveau régional. Ce lancement a été l'occasion d'une discussion technique sur les stratégies ayant prouvé leur efficacité dans la mise en œuvre du projet, avec un accent sur 4 axes prioritaires. L'accès aux services de planification familiale est une priorité, avec l'objectif de soutenir la santé reproductive des femmes. Le projet vise à tirer parti du potentiel économique de la jeunesse en misant sur une population dynamique. Le Suède Plus est rendu possible grâce à la persévérance de ses coordinateurs et au soutien de la Banque mondiale. Distingués invités, mesdames et messieurs, les nombreuses réalisations de Suède 1 et Suède 2 sur le terrain montrent à suffisance la satisfaction des bénéficiaires dont vous êtes, de ces investissements colossaux de la Banque mondiale pour ce projet. Avec le projet Suède Plus, il y a une augmentation du portefeuille et cela va booster, j'en suis convaincue, les indicateurs et l'attente de résultats escomptés. La réussite du Suède Plus repose sur un partenariat solide avec des acteurs engagés, notamment l'UNFPA et la Banque mondiale. L'autonomisation des femmes et des filles demeure un enjeu majeur pour le développement de l'Afrique en général et du Tchad en particulier. Elle constitue une priorité pour la Banque mondiale, tant au niveau régional qu'au niveau pays. Ainsi, lors des dernières assemblées annuelles de la Banque mondiale tenues au mois d'octobre 2024, la création d'emplois pour les jeunes et l'autonomisation des femmes ont été évoquées comme des priorités principales. Le projet Suède Plus intègre ces deux priorités et donne réponse aux défis existants avec une approche régionale. Ce projet est une lueur d'espoir pour des millions de jeunes femmes et adolescentes du Tchad. Honorables invités, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier encore une fois de plus la Banque mondiale, qui ne cesse d'apporter son soutien financier au gouvernement à travers des projets et programmes. Une mention spéciale aux membres de la délégation venue de Washington DC. Je félicite tous les partenaires techniques, particulièrement l'UNFPA, qui œuvre à côté de l'unité de gestion du projet Suède. Je déclare lancer le projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques en Afrique subsaharienne plus, Suède plus. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vais de rejoindre le ministre pour la photo. Il devait faire ici en haut, mais quand les ministres sont descendus.